Le bref fragment de l'évangile de Jean que nous avons entendu dit l'essentiel du programme de la Journée mondiale de la jeunesse. Un échange de questions, puis une réponse qui est un appel. En présentant cette rencontre avec Jésus, la liturgie veut montrer aujourd'hui ce qui compte le plus dans votre vie. Et moi, successeur de Pierre, je suis venu vous demander de poser vous aussi cette question au Christ. Posez au Christ, où demeures-tu? Si vous lui adressez sincèrement cette question, vous pouvez entendre sa réponse et recevoir de lui le courage et la force de le suivre. Pour répondre à notre question, Rabbi, où demeures-tu? Le Christ nous adresse un appel. Venez et vous verrez. Dans la croix, vous verrez les signes lumineux de la rédemption du monde. La présence aimante du Dieu vivant. Parce qu'ils ont saisi que la croix domine l'histoire, les chrétiens ont placé les crucifix dans les églises et au bord des chemins où ils les portent sur leur cœur. Car la croix est un signe véritable de la présence du Fils de Dieu. Par ce signe se révèle le rédempteur du monde.